le Père Noël contre le bonhomme de neige. Bon, alors voyons qui a été sage et qui ne l'a pas été cette année. Antoine Adamo, sage. Maxime Appleby, sage. Chloé Ardanaise, oh, vilaine. Mais comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire, mémoire insuffisante? Oh, zut, verrouillage. Je crois que le jeune William Gates vient de rejoindre les vilains garnements. Oh, bonjour. Salut à tous. Je suis le Père Noël et je vous souhaite un joyeux Noël. Bon, vérifions la liste pour voir qui est avec nous aujourd'hui. Bravo! On dirait bien que vous avez tous été sages cette année. Hélas, je dois absolument respecter mon quota de vilains. Alors je vais essayer d'être impartial. Je vais fermer les yeux et l'enfant que je montrerai du doigt recevra un morceau de charbon comme cadeau. Ça vous va? Allez, on commence. Bon, alors, qui a été vilain? Et le morceau de charbon est attribué à... C'était une blague. J'adore faire des blagues. Mais non, ça n'existe pas des quotas de vilains. Je suis le Père Noël et on est à Noël. Et Noël, c'est l'époque la plus merveilleuse de l'année. C'est l'époque où tout le monde découvre le plaisir de donner aux autres. Et je vous le garantis, il n'y a pour moi pas de plus grand bonheur dans la vie que de provoquer un sourire sur le visage de quelqu'un. Mais jadis, un jour, il y a eu un Noël qui a failli ne jamais se produire. Oh, pardon, désolé. Ça devait pourtant être un Noël comme tous les autres. Il était une fois un bonhomme de neige qui était le bonhomme le plus seul au monde. Il n'avait pas un seul ami parce que il n'y avait personne d'autre que lui dans les environs. Et comme il n'avait personne à qui parler, il n'avait jamais appris à parler. C'est sa petite flûte qui lui servait de voix. Et tous les soirs, il soufflait dans sa flûte et la faisait chanter pour les étoiles. Et il arriva qu'un soir, les étoiles lui répondirent. Curiosité, le bonhomme de neige se mit en route pour essayer de découvrir l'origine de la mystérieuse lueur.
c'était le village du Père Noël. Et à l'entrée, on vous souhaitait une très heureuse journée. On est tous chez Père Noël. Il fait tâter les clochettes. Tous les lutins travaillent pour lui dans la grande magie des fées. On est tous le Père Noël. Ça me picote la tête aux ailes. Jetez un coup d'œil et puis vous verrez que c'est un type vraiment bien. Oui, tout le monde aime le Père Noël. Nous sommes tous ses amis. Et nous prions le ciel que ce ne soit jamais fini. Quand le Père Noël chante, oh oh oh, on fait tout s'engraver, oh oh oh, en faisant des millions de cadeaux, tous les cadeaux. Père Noël est tellement cool. T'aurais pas aimé être le Père Noël, toi? Tout le monde serait fou, amoureux de toi. On aime tous le Père Noël. C'est un amour passionnel. Tous les lutins travaillent pour lui dans la grande magie des fêtes. Si tu étais le Père Noël, ta vie serait tellement plus belle. Plus de sang et de solitude, mais d'amour universel. Dans le cœur de chant, oh oh oh, on envoie geler, oh oh oh, en faisant des millions de cadeaux. Dans le Père Noël chant, oh oh oh, nous chantons comme il est, oh oh oh. Voici à présent le Père Noël. Bonjour Père Noël. Oh, 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 oh. Ne vous dérangez pas pour moi. Vous travaillez tous avec tant d'ardeur que j'ai pensé vous apporter un petit remontant, un chocolat chaud. Oh merci Père Noël, vous êtes extrêmement bon pour nous. Oh, voyons donc, c'est la moindre des choses. Vous êtes le plus gentil. Je vous aime encore plus que le chocolat, Père Noël. Je vous aime plus que les cadeaux. Et moi que les flocons de neige. Et moi que les chaussures à plateforme. Et moi que mes cheveux. Et moi que la petite souririe. Et moi que les projecteurs Sorail. Et moi que le petit lapin de Pâques. Et moi je vous aime plus que le jour où j'ai tout aimé. Situation. Père Noël, il y a eu une atteinte à la sécurité. Un intrus s'apprête à quitter le secteur 4. Déployez les équipes mobiles. Tout le monde à son poste. Bien, monsieur. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Deadpool 1 appelle la base, répondait. Nous avons un contact visuel avec l'intrus. On dirait qu'il s'agit d'un bonhomme de neige. Quelque chose? Oui, mais ce n'est qu'une flûte, chef. Assez étrange. Tu ne pouvais pas attendre un jour de plus pour Noël, c'est ça, hein? Ça va, Lévita. Plus bagage. En tête! Allons-y! En rentrant tout penaud chez lui, le pauvre bonhomme de neige était bouleversé. Il ne pouvait s'empêcher de revoir le Père Noël et son superbe atelier.
Il trouvait que le Père Noël menait une vie formidable, une maison merveilleuse, de nombreux amis, des joies à profusion et l'amour de tous ceux qui l'entouraient. Alors, pourquoi refuserait-il un tout petit joujou à un bonhomme de neige? Cela semblait très injuste à notre brave bonhomme. Père Noël, c'est notre copain. T'es drôlement cool, mon petit père. Père Noël, par ici, Père Noël. On t'adore, Père Noël. Je t'aime beaucoup, Père Noël. Et chouette, mon vieux. Vive le Père Noël. À cet instant, une pensée traversa l'esprit du bonhomme de neige. Pourquoi le Père Noël devrait-il garder pour lui tout cet amour, tous ses bons vœux, tous ses gentils amis? Ça, c'était vraiment trop injuste. Au fond, il devrait peut-être céder sa place à quelqu'un d'autre. Le Père Noël, l'homme et le visionnaire. Que serait notre monde sans lui? Jetons à présent un coup d'œil à son monde à lui. Bienvenue au merveilleux monde du Père Noël. Nous vous prions de vous abstenir d'utiliser vos appareils photo ou tout autre appareil d'enregistrement pendant la visite. Merci. Et c'est ici que naît la magie de ce monde. Les lutins doivent en effet fabriquer avec le plus grand soin au-delà de milliards de jouets par semaine, afin que tous les enfants sages de la Terre ne soient pas déçus quand arrive la fête de Noël. Vous vous demandez sans doute comment une telle quantité de jouets peut être distribuée en une seule nuit. Alors elle veut un engagement de ma part. Alors moi je lui ai dit, eh bien la fonte des neiges. La neige ne fond jamais ici. Oui mais ne le sais pas. Oh, je te comprends, je n'en veux pas non plus. De quelqu'un qui me mette une couronne de Noël au cou. Non, non, pas question. Pourquoi acheter un igloo quand la glace est gratuite? J'aime ma liberté moi. Je suis d'accord avec toi parce que... Hey, regarde ça. Quoi? Ce serait pas le bonhomme de neige qui serait venu hier soir? Ben oui, on dirait. Non, 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 non. Ce type-là a une moustache, c'est pas lui. Non, d'accord. T'as apporté un peu de soupe. Vous avez à présent devant vous un exemple de traîneau d'avant-garde de haute technologie. Il est équipé d'injecteurs magnéto-optiques alimentés par compression à la nitron et de doubles répartiteurs de tachyons qui créent un effet de spirale localisé et permettent ainsi au Père Noël de déplier l'espace-temps. De plus, il se conforme à toutes les normes environnementales actuelles. Notre prochaine destination, la boutique cadeau du Père Noël, où vous pourrez vous procurer des objets de magie. Personne ne touche, c'est interdit. Il doit avoir le ciboulot gelé, celui-là. Puis, le bonhomme de neige élabora un plan qu'il intitula le projet Blizzard. En gros, c'était une attaque furtive avec une manœuvre frontale sur l'atelier du Père Noël. Il fabriqua des millions de soldats de neige.
surprise. Elle n'a pas frappé à la porte, alors j'ai dû improviser. Mais qu'est-ce que... Je t'assure que c'est vrai. Non, non, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi ça? Il y a un visiteur non autorisé dans la section 12. On alerte le vieux, tu penses? Non, pas la peine. C'est la veille de Noël. Il doit être assez occupé comme ça. De toute façon, c'est sûrement pas grave. Sainte nuit! Là, on est vraiment dans le jus! Et moi, j'ai un torticolis, hein! Ça n'est pas possible. Les biscuits contiendraient-ils des glucides? Père Noël! On a un gros problème! On a repéré des forces terrestres en approche, non loin d'ici! En nombre effrayant! Une minute! On a une transmission de l'avant-poste, Père Noël! Transférez ici. Dix sur dix, Flupé! On écoute ton rapport, vas-y! Flupé! Flupé! Déclarez l'alerte rouge! Fermez la grille de protection! Que tout mon personnel se retrouve au centre de commande! Attention tout le monde, ne tirez pas. Nous voulons d'abord connaître leurs intentions. Ici le Père Noël au pôle Nord. Vous pénétrez dans une zone à circulation restreinte. Répondez, s'il vous plaît. Quelque chose? Négatif, monsieur Young. Oh, un message de l'extérieur. Il se lit comme suit. Donnez-moi Noël. Et puis quoi encore? Je vais lui donner un morceau de charbon et le fouet. Il verra de quel bois je me chauffe. Dis-lui qu'il est sur la liste des vilains. Tant pis pour lui. Entendu, monsieur. Regroupez les rêves. Décollage d'urgence. On leur fait un petit cadeau. Cornu 4 appelle Comet 7. Manœuvre d'attaque. Bien reçu, Cornu. Vas-y, Cornu. Vas-y, Cornu. Quoi? Également dans 3, 2, 1. Allez! Lancez le missile au Guilan 9. Missile lancé, monsieur.
J'ai tellement froid. C'est trop. C'est plus que je n'en puis supporter. Oublie les poules. Ce qu'il faut à cet homme, c'est un bon petit chocolat chaud. Et la bataille se poursuivit, aucun des deux camps n'obtenant d'avantage décisif. Mais le Père Noël savait, lui, que la bataille devait cesser. On n'était plus qu'à quelques heures de la Noël. Père Noël, rapport de blessure au combat. Hypothermie, engelure, tout dû au rhume. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir. Bah, ça suffit. Nous ne pouvons plus tarder. J'ai plein de jouets à livrer cette nuit. Préparez mon véhicule d'assaut. Le Père Noël monte au front. À vos ordres. Je vais leur montrer de quel bois je me change. Qu'est-ce que c'est? Non, mais pour qui je prends celui-là? Ah oui, amène-toi. J'ai un beau petit cadeau pour toi. Tu es prêt, mon bonhomme? Attention, ça va chauffer, je te préviens. C'est terminé, bonhomme de neige. Dès que j'aurai fini la distribution des cadeaux, nous discuterons des conditions de ta capitulation. Ce n'est pas une poignée de tes soldats neige qui suffira à m'arrêter. Oui. Allons, c'est absurde, voyons. C'est moi le Père Noël, pas toi. Pense un peu aux enfants. Ils ne vont jamais y croire. Ils vont être complètement désorientés. Oh, quelle catastrophe! C'est le petit lapin de Pâques qui va rigoler quand il va prendre ça. Et notre bonhomme de neige planait au-dessus des toits. C'était un sentiment rare et merveilleux. Il ne lui restait plus à présent qu'à distribuer quelques cadeaux et le monde entier l'aimerait enfin. Oh.
si malheureuse. Je crois qu'elle préférerait ça. Allez maintenant, ma petite puce, il est l'heure d'aller mettre ta poupée au lit. J'ai encore beaucoup d'autres jouets à les distribuer. Merci beaucoup. Quant à nous, bonhomme, nous avons un différend à régler. Tu l'as bien cherché, non? Joyeux Noël, bonhomme! Voilà, elle est à toi. Elle a toujours été à toi. Mais la prochaine fois, à ton Noël, tu veux bien? Et rappelle-toi, le joueur de flûte, que donner n'est pas un acte réservé au Père Noël. Le désir de donner, de faire des cadeaux est quelque chose qui existe en chacun de nous, d'accord? Bon. Bonhomme de neige, tu montes avec moi? C'est ainsi que le Père Noël et le bonhomme de neige devinrent amis. Et un ami, c'est précisément ce dont avait toujours rêvé notre bonhomme de neige. Et depuis lors, le bonhomme de neige et moi sommes les meilleurs amis du monde. L'autre jour, tenez, avec les lutins, on s'est bien amusé. On a fait une bataille de boules de neige. Et je dois vous avouer que je lui en ai appris sur l'art du lancer des boules de neige. Le Père Noël a donné des leçons à son ami. Écoutez, je n'aime pas me vanter, mais c'est vrai, envoyer une boule de neige, c'est un peu comme si j'avais fait ça toute ma vie. Eh oui, et tout est affaire de technique. D'abord, il faut s'approcher de sa cible tout doucement. Il faut se faire le plus discret possible. Ensuite, on se met en position. On respire à fond. Et on envoie. Qu'est-ce que... Ah! Joyeux Noël à tous! Un très joyeux Noël! Hey les amis, voici à présent le Père Noël. Hey les amis, voici à présent le Père Noël. Je serai dans ma loge, d'accord? Coupez! Coupez, mais qu'est-ce que... Bon! Bon, allez, on prend, Père Noël. C'est terminé, mon bonhomme. Oh, oh, oh! Tu as perdu un œil, bonhomme de neige. Coupez! Une seconde, s'il vous plaît. Ton squelette en fil de fer dépasse. Allez, arrange-moi ça. Ça n'intéresse personne, ton fil de fer. Amène-toi. J'ai un beau petit cadeau pour toi. Hey, sortez-moi de là, j'ai mal au cœur. Appelez mon impresario. Coupez! On a dit ça fait bing bang boom. Bing bang boom, hein? Bing bang, oui boom. Et retire-moi ces lunettes! Mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que ce bordeaux? T'as l'air de... d'une joueuse de tennis. Coupez! Bing bang. Oh. Coupez! Bon, ça va, t'es viré. Je me fiche que tu sois le neveu du producteur. Fiche-moi le camp. Oui, toi. Tu veux que je me lève? T'es viré, je te dis, hein? Dans le cadre, appelle Comet 7. Manœuvre d'attaque.
Attention en bas! Oh, tiens. Ça y est, ça va encore m'irriter la peau. Oh, c'est criant de vérité. Quelle merveille, le 3D. Regardez celui-là! Quel drôle de tignasse!